l'épisode précédent, un jour paisible avec sa fille et moi-même, nous apprenions que Dale eut sans doute des problèmes. Ainsi, nous partions à sa recherche à vitesse grand V. Pourquoi vous avez dit à Saïd de rester sur le Corvus? Elle s'est bien débrouillée sur Atula. On pourrait avoir besoin d'elle ici. Gleb, Ok, salut tout le monde, c'est Thomas Rey, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, c'est cool, tout roule et j'espère que pour vous aussi. On se retrouve pour le deuxième épisode donc du DLC de Star Wars Battlefront 2. Et j'espère que ça vous plaira. Parce que moi, ça me plaît, c'est le principal. Donc voilà. Par contre, si jamais il y a des gens qui arrivent en cours de route, je vous invite réellement à regarder le let's play du début à la fin en fait, parce que c'est une superbe campagne et réellement ça a le mérite d'être vu du début à la fin tout simplement quoi. Allez, on y va les gars, c'est parti. Donc là oui, pour ce qui est en cours de route, oui effectivement mon perso a pris un coup de vieux. C'est normal, faut pas s'inquiéter. C'est l'histoire qui est comme ça. Allez, on y va. Alors là pour le fun, pour cette mission, j'ai pris un petit pistolet mitrailleur je pense. Je connais pas trop. Je suis même pas sûr, mais logiquement, je pense que oui, je pense que c'en est un. Donc, on va voir comment ça va se passer. Allez, on y va. Il neige, c'est sympa. Ah ouais, là, ce n'est pas trop la quoi. neige. Ah oui, c'est la là. cendre atmosphérique. Ah là, ouais, le résultat de l'opération cendre. Les restes d'une ville morte depuis des décennies. Ah merde. Bon, vous savez quoi? Je ne dis plus rien. Ouais, t'as raison, tais-toi. Oh, il neige. Non, non, c'est de la cendre. Ok. Ah, wow, qu'est-ce qu'il y a mon perso? Il fait du shuffle, ça y est. Eden, regardez. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Le premier ordre, c'est forcément eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Allons-y, en trouvant Gleb, on découvrira ce qui est arrivé à Dale. Et vous pourrez rejoindre la résistance pour tirer les choses au clair. Bon, allez les gars, là on est parti. Tant pis pour les conteneurs, je suis sûr qu'il y en a pourtant, mais. C'est-à-dire que j'arrive pas à mettre la main dessus. Là on peut tomber et. Tout à l'heure j'ai essayé. Je sais pas si. Ah bah le voilà. Ah non, ça c'est pas un conteneur, c'est un truc à arme. Tu iras de ça, tu veux? D'accord, c'est vraiment un truc à arme. Ah, ok. Salut! C'est Gleb. C'était Gleb. Ask. Lâchez vos armes. La tutélaire s'est avérée ne plus être très utile au projet Résurrection, ni au Premier Ordre. Le projet Résurrection. Kidnapper des enfants. Des sauvetages. Pour transformer les enfants en une armée comme cette galaxie n'en a jamais connue. Du jamais vu. Le Sénat ne vous laissera jamais faire. Aujourd'hui, le Sénat et tout le reste du système Osnian ne sont que des cendres. Toutes ces lumières rouges dans le ciel. Magnifique, n'est-ce pas? Depuis des années, la République n'a strictement rien fait. Et pendant ce temps, nous nous sommes préparés pour cette journée. Tu vois, Eden, j'espère que tu apprécieras. Aujourd'hui est un jour spécial. J'ai choisi d'être avec toi. Dans ce lieu où tu m'as absolument tout pris, notre escouade, ma famille, j'ai attendu si longtemps. Pour te le faire payer. D'abord avec Dale. Et maintenant. Avec ta fille. Mon masque. Découvrez ce qu'ils savent sur la résistance et brûlez cette ville.
J'ai dû vivre dans ta galaxie, Eden. Maintenant, c'est à toi de vivre dans la mienne. Ouais, elle a pas l'air si perturbée que ça. Hein. Vardos et ils défendent leur vie. Ça ne veut pas dire qu'ils sont de notre côté. Bien ce petit flingue, j'aime bien. Regardez, ils sont trop occupés à s'entretuer pour nous remarquer. Dans ce cas, profitons-en. Allons-y. Ah bah, trop tard. Ah oui, d'accord. Oh. Ça mince. Et c'est parti. Yeeha. Barrage. Holy shit. Allez, allez. Ouhouhouhouhou. Mais non. Oh, il m'a marché dessus. Mais c'est quoi ce bug? Il m'a marché dessus. Tu rigoles? Tu rigoles? Il m'a marché dessus. Non, écoute cette arme. On va prendre ça. Trop dur au flingue. Il m'a marché dessus l'autre. Malade ou quoi? Jure quoi? Shinata se bat contre le premier rang. Ils défendent Vardos et ils défendent leur vie. Ça ne veut pas dire qu'ils sont de notre côté. What? Mais... regardez, ils sont trop occupés à s'entretuer pour nous remarquer. Dans ce cas, profitons-en. Allons-y. Les gars, ah merde, j'ai voulu faire une petite attaque silencieuse, mais c'est pas passé. Non, ah, mais voilà, il y a un lance-roquette là, je comprenais pas, mais oui, putain, j'avais pris un lance-grenade là-bas, là, pouille lance-grenade, tu m'étonnes, ah ouais, non, mais d'accord. Thank you.
Ah, je peux plus en prendre, mince. Bah écoutez, on va quand même essayer de le dégommer. Je pense qu'il y a un succès. Il perd pas plus vite, il est bugué. Ah mais j'en ai encore, je pensais que j'en avais plus dans le carte. Ah mais ah oui, il est grave bugué bordel. Mais oh, mais qu'est-ce qu'il veut lui? Ça va pas ouais? Va te calmer toi. Je t'apprends de bonne manière, moi on frappe une femme. Encore moins qu'on lui tire dessus quoi. Mais attends. Oh jure, merde. lui, touche pas au X-Wing quoi. Oh, ils ont démoli le X-Wing. Quelle bande d'enflure. Ouais, j'ai l'air un petit peu, ouais. Ah, qu'est-ce qu'on a là? On se requête encore. Et écoute, je vais quand même le prendre, ça peut servir, je pense. Allez, c'est parti. Il y en a un qui a un lance-flamme. Ils nous barrent la route. On les élimine. Super! Un flame trooper! T'es mort, toi? Tiens, meurs. Là, t'es mort. Mort ici. Oh, qui était belle celle-là. Allez, je veux pas te montrer, hein. Ok. Les décors sont toujours aussi beaux. Dio, trouve un relais de communication. En scannant la ville, on trouvera le signal de détresse. Ah ouais. Et putain, il était beau ce X-Wing. Ah ouais, dur. Ah, il y a un truc qui explose là, non? Ouais. Pas mal. Putain mais il est beau ce X-Wing hein. Mais... Ah mais qu'est-ce qu'il veut lui, je l'ai pas vu. Putain j'ai même pas vu. Tiens, c'est cadeau parce que je t'aime bien hein. Tiens, je te maltraite toi, allez, oust. T'es plus pour qui là? Ah mais oh. Ça va pas la tête, oui. D'où tu me frappes? Tu peux me pirater ça?
On est bon là. Aïe. Mais je regarde, y a pas des. Non, non. Bon bah. Ah, d'accord. Hop. Non, 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 je visite la zone, j'ai besoin d'ouvrir des boîtes. Mais bon, si on n'a pas, tant pis, écoute, hein. Allez hop. À toi de jouer, droïde. Toujours aussi jeune ce droïde. Les renforts arrivent à l'étage inférieur. Et oh. Ah merde, faut défendre le droïde. Ah ouais, non mais attends. Oh. Signal. Ouais, on va essayer parce que là il y a un petit peu de monde. On a juste un petit peu. Allez, c'est parti. Oh merde. Ok. Ça là, je peux le prendre, vas-y. Wouhou. Réparation. Démarrer maintenant le système de maintenance pour augmenter. On les élimine tous jusqu'au dernier. Moi aussi. Oh, je suis dessus 20 000 fois, il est pas mort, quoi. Saloperie, va. Pourquoi arrêter cet officier?
Ouais, c'est mieux que la réparation, quoi. Effectivement. Oh merde, lui. Shrive. Mais faut que j'aille où là? Faut que je sécurise la zone? Non mais y a trop de monde hein, en fait hein. Là c'est quoi? Je peux pas aller là j'imagine. Ok. Je suis pas un Stormtrooper, qu'est-ce qu'il me dit lui? Oh. Arrête de m'insulter là. Ça y est? Ah. Ah bah purée. Qu'elle soit vraiment en vie, hein. Bah ouais. C'est triste à dire, mais bon, elle est peut-être morte, hein. Salut, toi, tu sais que t'es moche. Excuse-moi. Sorti du cœur. Ouais, non, c'est des fiottes. Allez, on y va. Rien à foutre. Oh, mais. J'aime pas. Toi, tu m'attaques par derrière, j'aime pas ça. T'es au courant que j'aime pas ça? Il faut qu'on sécurise la zone avant d'ouvrir le module de sauvetage. Bonne idée. C'est le temps de mettre ça en danger. Ouais, t'es au courant qu'on est en train de te cramer les fesses? Je l'ai bien aimé ça, purée. Vous croyez aller où comme ça? Non mais attends, faut que j'aille là, mais attends, j'ai. C'est sérieux? Et je suis flashé, purée. Localisation des ennemis. Allez, tiens, mange. Ouais. Intéressant. Allez, en route, camarades, c'est parti. Wouhou. Il y a le module. Ok. Il est énorme. Il est en train d'anéantir la ville. On ne peut pas combattre un truc comme ça. Dépêchez-vous, nous devons trouver Zek. Eh. Alors lui là, hein. C'est bon. Tu veux pas de toi là-bas là? Ah, c'est vrai qu'il est énorme celui-là, purée. Mais attends, on a tiré dessus, mais il est où lui? Attends, il est tellement tout petit que j'arrive pas à le voir. Espèce de nain, va. Putain, j'ai rendu mal des fois. Hein. Bon, il est mort. Ça y est? Ça y est? Encore un? Attends toi. Toi t'es mort. Non mais oh. Ça va pas la tête oui. Oh non non non, pas par derrière s'il te plaît, non. Non 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 non, attends. Shrive, Shrive il aime bien.
Oui. On va s'arrêter là. Effectivement. Bon. C'est bon? Encore? Ça y est? Wouh! C'est chaud, hein? Est-ce qu'elle est là-dedans? Verdict? Ne vous inquiétez pas. Zay est intelligente. Jamais 203. On va la retrouver. Mais ouais, jamais 203. Attends. Allez. Le TRTT est à vous. Yeah. Allez, on y va. Il y a un troisième signal. Ah. Ça doit être Zay. Elle est vivante, Shreve. Et elle est toute seule. Merde. Suivez ce signal. Monter là? Non. C'est quoi ça? Une tourelle? C'est bien, il y a le petit radar et tout quoi. Oh, ça a traversé. Stylé, stylé. Ouais bon, c'est pas les bottes que je veux ça. Ça c'est des bottes d'armement on dirait, ça m'intéresse pas franchement. Difficile de dire qu'il y a le dessus. Vous y réfléchirez quand on aura trouvé Zay. Ouais j'avoue. Ouais. Elle n'est pas loin, on y est presque. Elle meurt quoi. T'es moche. Tiens, meurs. Ouais, tant pis pour les boîtes. Hein. Ça m'embête un peu, mais bon. Ça se trouve, ils en ont pas mis dans le DLC. Un module de sauvetage. C'est elle? Non, la balise n'est pas loin. Elle a dû l'arracher et courir se mettre à la paix. Yeah. Wouhou. Je dirais que Chinata gagne du terrain. Je pensais pas qu'ils avaient une chance. Ils n'en ont aucune. Si le premier ordre bat en retrait, c'est parce qu'il prépare quelque chose. Chinata va se faire écraser. Tiens, je peux passer par là? Non, ok. Excusez ma stupidité. Soldats lourdement armés. C'est moi ou je tire dans du vent en fait? Calmez toi. Et si t'en veux? Et toi? T'en veux? Je te l'offre. Ouais. Bon, et ben, je vais changer d'engin parce que celui-là, il est moche. Il est mieux celui-là. Allez, c'est les mêmes, hein, mais bon. Ah, mais oh. On peut l'atteindre. Et il y a un tas d'équipements dans le coin pour l'aider. Alors, on s'équipe et on va aider votre fille. Oh, une navette. Encore des cendres pour l'heure. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Oh là là.
J'arrive pas. Aïe. La réparation. Attends gros. Ah putain, je croyais que c'était un ennemi, j'ai eu peur. Merde, il est en train de me tirer dessus pendant que je me coupe du gros. C'est bien, c'est toi Shreve. Je t'ai cru pour un ennemi, excuse-moi. J'aime pas ta tronche. Oh! Qu'est-ce qu'il fait lui? Oh! Ah, j'aurais dû le laisser, c'est vrai que Shreve il aime bien quoi. Zey, j'arrive ma chérie. Non, non, mais je l'appelle comme ça parce que je suis censé être sa mère quoi. Je suis dans la peau du personnage. J'arrive ma puce, je viens t'aider. Zey, est-ce que ça va? Non, ma puce. Ton père est mort. Quoi? On s'est trompé pour Gleb, c'est Ask qui a tué ton père. Ask qui t'envie? Oui, mais plus pour longtemps. On va monter à bord de Destroyer et le tuer pour de bon. Idem. Tu veux pourchasser Ask? Dépêchez-vous, il va s'enfuir! Non, maman, ça suffit. Tuer un homme ne changera pas le sort de papa. Si j'avais accepté de me battre, si j'avais rejoint la résistance, tout ça ne serait pas arrivé. Vous avez entendu Ask. Le Premier Ordre prépare son coup depuis bien trop longtemps. Rien de tout ça n'est ta faute. Et il n'est pas encore trop tard pour agir. La Résistance a besoin de toute l'aide disponible. Si nous pouvions découvrir la vraie puissance du Premier Ordre... Alors la Résistance aurait une chance. Ok. Ok. Mais il faut encore qu'on accède là-haut. Hey, Shreve. T'aurais pas une mauvaise idée? Bienvenue dans la Résistance. Comme quand il était sur la planète je sais plus quoi là avec le général Calrissian. Waouh. Maintenant, du calme. Ils ignorent qu'on a volé ces chasseurs. Reste en formation et cherche une entrée. Ok les gars. Aïe aïe aïe, on tombe dans du lourd, on va se laisser pour cet épisode du coup. J'espère que ça vous aura plu. Désolé pour, je pense, il y aura une partie accélérée parce que franchement, je suis mort assez souvent avec le petit machin, le TL-44, je sais plus trop quoi là. Donc voilà, en tout cas, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu malgré les petits fails. Voilà, donc n'hésitez pas à lâcher des commentaires et des pouces bleus et je vous dis à très bientôt les gars. Ciao ciao, merci à vous.